68. La gloire du Seigneur va se révéler. Dieu n'a pas été
je suis entré dans l'abîme des eaux, et le flot me submerge. Pour ne plus voir, fait qu'à tout instant les reins leur manquent.
saisirai ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Que qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du compte des justes. Et moi, pour blesser, que ton salut Dieu me redresse. Je une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Que la gloire du ciel et la terre, la mer et en eux ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite et les amants de son nom y demeurent. Oh, la gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Psaume 98. Exaltez le Seigneur, notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne.
pour les siècles des siècles. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Et ne crie pas, ne lève pas le tronc, ne fais pas sa force, sa voix dans les rues. Il fait connaître le jugement, mais il attend de ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur, qui a créé. Justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière des nations pour ouvrir les yeux aveuglés. Il est du cachot le prisonnier, de prison les C'est moi qui suis le Seigneur, et tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. De Saint Ambroise de Milan au IVe siècle. Voici la mystérieuse vocation du publicain. Le Christ lui donne l'ordre de le suivre, non par une démarche matérielle, mais par le mouvement de son cœur. Et cet homme qui jusqu'alors tirait avidement son profit des marchandises, qui exploitait durement les fatigues et les dangers des matelots, quitte tout sur un mot d'appel. Lui qui prenait les biens des autres, il abandonne ses biens propres. Lui qui était assis derrière son triste comptoir, il marche de toute son âme à la suite du Seigneur. Et il prépare un grand repas. C'est une image, l'homme qui reçoit le Christ dans sa demeure intérieure est rassasié de délices sans mesure, de surabondante joie. Quant au Seigneur, il entre volontiers et il se met à la table préparée par l'amour de celui qui a cru. Mais voici que, chez ceux qui refusent leur foi, la malveillance se rallume. Et l'image du châtiment qu'ils encourent, l'événement le préfigure. Tandis que dans le royaume des cieux, les fidèles seront à table et feront fête, l'incrédulité souffrira du jeûne qu'elle s'impose. Du même coup se révèle la différence entre tenant de la loi et disciple de la grâce. S'en tenir à la loi, c'est subir dans un cœur à jeun une faim sans remède. Accueillir intérieurement la parole, la recevoir en son âme, c'est trouver le renouveau dans l'abondance de la nourriture et de la fontaine éternelle. C'est n'avoir plus jamais faim, plus jamais soif.
Si le Seigneur mange avec les pécheurs, nous serait-il interdit à nous de faire table et même vie commune avec les païens ? Il nous le dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices. » Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur.
son peuple. Et aussi Jésus le force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement j'ai prié à notre Père Abraham de ne donner qu'à franchir de la crainte et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous resservions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses de nous. Ta miséricorde rejoint toute l'humanité en marche vers le salut. Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Oh, no.